Je crois que c'est sous le signe de la multiplicité que s'est orientée cette vie et du foisonnement. Et il me semble que j'ai essayé de pratiquer toute ma vie ce qu'on appelle au Japon l'ikebana, c'est-à-dire l'art des fleurs vivantes, puisque là-bas, les paysans, autant que les esthètes, apprennent l'art de composer des bouquets. Comme eux, j'essaie de les faire harmonieux, hors de la symétrie monotone, mais en respectant les accords naturels.